Bon, nous voilà de retour. Alors là, je viens de passer 1 heure et demie à faire que ça. C'est plus long que les autres, hein, clairement. Le quatrième, là, la Millionaire League. J'ai acheté tous les bâtiments, etc. J'ai fait pas mal de runs. J'ai foutu Etsuko dans l'équipe A, etc. J'ai fait 3 rendez-vous avec elle, avec Choco, et 3 rendez-vous avec elle aussi. Donc là, elle, sa quête s'est débloquée, hein, vous voyez, mais pas l'autre. C'est pour ça que je vous reprends maintenant. J'ai tout explosé, hein. On avait du mal à atteindre les 5 millions. On faisait 4 millions, 4 millions 5. Le dernier qu'on a fait, là, avec l'équipe A, 11 millions, je crois. Hein. On a tout niqué, on a tout explosé. Donc je pense que le championnat du Millionaire League, c'est disponible. Allez, on y va. On va bien voir sa quête, hein, c'est pour ça que Et je l'aime pas mal, hein, je dois dire. Elle est un peu teasing et tout ça. Elle mâche pas ses mots. C'est une grande buveuse. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre, hein, parce qu'on a sa quête, tout ça. Je sais pas ce qui proc, ce qui déclenche ces trucs, hein, c'est peut-être leur niveau. Première date au niveau 10, deuxième date au niveau 2. C'est peut-être ça, hein, j'en sais rien, mais Choco et elle, ils ont le même niveau, donc on aurait dû avoir Choco aussi. Hein. Et non pas Chocotan. Oui, d'ailleurs, la couleur de sa peau, là, vous voyez, elle est bronzée, Aika. Bah, c'est Kuro quelque chose, je sais pas. Hein, j'ai quelque chose. Ils en ont parlé la dernière fois, mais. Témé! Elle est partie. Ça s'appelle quelque chose, hein. C'est une sorte de personne, je suppose. C'est comme ça, hein. En bronzé comme ça, là. Moins blanc que les autres. C'est privé, je veux pas vous écouter. Vous pourriez regarder où tu mets les pieds! Oh, eh ben, c'est-à-dire que... Écoutez, j'ai pas eu de bol, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la misère, c'est assez costaud. The police! C'est un petit peu... Oh putain, c'est un boss! Oula, comment il a fait ça? J'ai pas compris, je dois dire. Voilà, bien joué le pari. Allez, on va se débarrasser de l'autre. Il est rapide, lui. Hein, faudra m'expliquer. Vraiment ça! Il nous détruit la gueule, là. Il est costaud, lui. Et voilà! The Party Queen. Donc, j'ai compris pourquoi il y en a 6, hein, des quêtes annexes. Je me suis spoilé sur les... Bah, et sur ce que c'est. Voilà. Le nom de nos prochaines... Hôtesse Platinium. La première, on l'a déjà rencontrée. L'autre, je sais pas du tout qui c'est. C'est simple. C'est la dernière, et je pensais pas qu'il y avait quelqu'un après la prochaine. Hé! Bah, casse tes couilles, Kulasai! Laisse-moi faire! Donc, Aika, c'est peut-être ma préférée, hein, les savoirs. Je disais ça pour plaisanter la dernière fois, mais ça se trouve, c'est vrai. Bye for now! Mais franchement, on a une bonne équipe. Hein. Donc pour remplacer Kiyomi qui est pas là, eh ben j'ai mis Yuka, c'est ça? Qui normalement est dans l'équipe, mais bien. On est deux au mur. Bon bah écoute. Fais voir mes couilles là. Est-ce que ça s'est débloqué? Ouais, ça s'est débloqué. Mais le problème, c'est que je viens. Fais voir un petit coup sur le. Je vais vous montrer le. Regardez, vous voyez, je plaisantais pas. Hein. 10 600 000, on a eu des Oil Barons. Et. Ouais, 5 fois comme le premier. Hein. Et c'est facile, hein, quand on a 500 partout, c'est facile d'appuyer en moins de 10 secondes hein, pour remplir la jauge. Alors, par contre, ce que je voulais faire, c'est. Ouais. Oh, Max et Tsuko! C'est la première à avoir atteint le niveau max, c'est-à-dire niveau. C'est bien, mais c'est quoi pour elle? C'est 30? C'est con, ça ne le met même pas là. Putain, 7 millions en total sale hein, quand même. Elle est précieuse, hein, vraiment. 3 millions. Elle, tu vois, je l'ai mis en remplacement de Kiyomi. Elle est un peu à chier, mais parfois elle est utile, hein, donc attention. T'as vu 500 partout hein, en bas à droite.
C'est pas trop mal. 26 millions quand même, hein, de fric. Bon, écoutez, on y va. On tente le championship avec cette équipe-là. Voilà. 13 000 fans, c'est qui ça? Ah ben la v'là, Yua! C'est elle! C'est l'avant-dernière, c'est pas la dernière. Mais on l'a jamais vue! Elle est idol-like. Par contre, attention, on est orange. Parce que je viens de le faire. Ça pourrait être pire, mais... Ben, c'est elle, Yua! On la connaissait pas. C'est elle la dernière que je connaissais pas. Je vais vous apprendre, moi. Alors, BL, il faudra... National Hôtesse. Eh ben, c'est-à-dire que... Elle a rien d'incroyable, mais bon. Ne pas juger un livre à sa couverture. Donc oui, honnêtement, c'est costaud. That's my cue! À mon tour, la dernière quête. Mais après, il y aura autre chose, hein, je pense. Il n'y aura pas d'autre ligue, mais il y aura un autre event, comme un combat contre l'autre con, ou... C'est pour ça que le boss final dans Yakuza... dans les Yakuza, ce sera jamais une fille. Hein. Vu qu'on ne peut pas les affronter, ou alors c'est extrêmement rare. Tu te doutes que ce sera toujours des trucs costauds. Alors, fais voir, est-ce qu'on va émerger The Victor? Non, mais c'est une blague, l'argent, là. Elle est déjà à 120 000. Alors, fais voir The Tycoon. Alors, il faut bien choisir. Elle, je dirais. Allez, Watanabe. Elle a moitié moins de niveau que Kana, par exemple. Le 15e système solaire, par exemple. Faut voir, request, qui ça? Regardez, il request Kana. Et la dernière fois, j'avais vu un mec. Il était en bas à droite, d'ailleurs, ici, là. Je lui avais mis Watanabe, alors qu'il requested Kana. Eh, pourquoi j'arrive plus, là? Voilà, ici. Et tu vois, même si je lui mets Aika, il est content quand même, hein, des fois, les stats, ça rattrape, hein. Oui, ben, presque envie de lui mettre elle. Tu vois, incroyable, hein. Smiley rose. Attention, parce que les requests, ben, c'est pas des tycoons, hein. Si vous devez favoriser l'un ou l'autre, même riche, hein, je veux dire, request, c'est un peu à chier, hein. C'est quoi, c'est du niveau de average, je crois. Mais voilà. Alors, faut voir, il veut quoi, là? Tu dis quoi, là? Etsuko, peut-être? Shoko, mais il faudrait pas qu'elle soit demandée. Allez, faut voir, je la mets. Alors, est-ce qu'on est pas mal, là? On est un peu à chier, hein. On part pas sur les chapeaux de roue, hein. Franchement, c'est pas ouf, hein, comparé à ce qu'on vient de faire. On n'aura pas 10 millions. Voilà. Kana, j'ai pas trop le choix. C'est un petit peu le Vatou, hein. Kana, c'est un petit peu la gâchette, hein. Elle est bonne partout, c'est le cas de le dire. Par contre, c'est une blague, la jauge, là. Regardez, elle est déjà en mode mes couilles. Et elle a déjà un 1 million, là, faut arrêter, il y a un moment. Elle va me faire partir tout le monde. Elle est déjà en level 1 fever et elle est à 1 200 000... Et voilà, c'est Chakomench. Elle peut plus, fait voir, en bas à droite, mais il est parti, ce connard. Tu vois, il m'a fait partir tout le monde, là. Ça, c'est complètement pourri, quand même, hein. Faudra m'expliquer. Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça baisse, lui? Pourquoi il est passé en bleu? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, parce qu'elle est en condition verte. Mais pourquoi? Bon, bah écoute, on va... Non, mais c'est une blague. Qu'est-ce que... Bah elle, hein, qu'est-ce que je te dise? Pourquoi elle est pas crevée ni rien, là? Bon, pour l'instant, on a de la chance avec les trucs. Ça... Ouais, mais 2 minutes, on n'est même pas à 1 million, c'est pourri, quand même. Ah, quel dommage. Elle a le double de nous, quand même. Je pense pas qu'on va y arriver. Mais c'est un peu du pif, hein, c'est ridicule. Là, je suis sûr que ça dépend du hasard. Ouais, les autres, c'est pourri, quand même. Attention, il risque d'y avoir des mécouilles. Allez, c'est parti, faut le faire maintenant. Ne pas hésiter. Tout à l'heure, ça a déclenché le fever à une table où le mec, il partait dans 5 secondes. Hein. C'était ridicule. Voilà, ça. Écoute, c'est pas trop mal, on est en train de la rattraper. Mais là, on commence à avoir une équipe de têtus. Hein, que les platines, ça fait le café. Tu peux y aller. Allez, bien joué.
En même temps, qui voudrait refuser Kana? Regarde, on commence à rattraper, hein, mais faut être en fever le plus possible, hein, y a pas à chier. Le fever, c'est extrêmement important. Par contre, lui, en bas à droite, il... Parce que moins il est satisfait, moins... Ça a beau être un tycoon, seulement 50 000, c'est pourri, hein, regardez, en bas à droite. Ça, voilà, c'est des trucs qui marchent du tonnerre, hein, y a pas à chier. Celui-là, c'est un peu à chier, je comprends pas pourquoi. La satisfaction du client, hein, c'est très important. Je vais essayer de la foutre ailleurs, elle. Soit en bas à droite, ça dépend du... Allez, je déclenche le fever, tant pis. Regarde, tu vois, en bas à droite, il va se barrer dans très peu de temps. Hein. Regardez, c'est pourri. Hein. Ça, c'est nul à chier, quand même. Donc le fever, c'était inutile, hein, il y a un moment. Ah, on est passé devant! On a 600 000 de plus, mais on va se prendre encore un fever, attention. Saturday Night Fever, attention, il y a un tycoon. Le L4 va se reconvertir dans un clubhouse en France, voilà. Vu que ça n'existe pas en France, c'est un truc qui vient du Japon, ben, oh, bien, Watanabe. Tu vois, d'où l'intérêt d'avoir une équipe variée. Hein. On dirait pas, hein, ça paye pas de mine, mais t'inquiète. Hein, les autres, ils étaient pas capables de le satisfaire, ben lui, elle si, hein, tu peux y aller. Les elle si et les falsi. Et... on n'est pas dégueu... c'est qui veut? Eh ben, c'est très bien. Elle est dispo. On le comprend. J'aurais bien aimé avoir un Mekoi. Allez, hop, c'est parti. Elle aussi, elle paye pas de mine, hein, mais t'inquiète. Hein. L'important, c'est d'avoir une équipe variée. Au niveau des stats. On a presque 1 000 000 de plus, hein, je voudrais pas dire, mais... là, faudrait vraiment le faire exprès pour perdre. Quoique, elle rattrape là, elle va avoir un fever là. Saturday Night Fever. Donc oui, le L4 va ouvrir un clubhouse en France. On va exploiter les filles nous aussi. C'est qui veut là? Parfait, Choco est dispo. Sinon, si vous voulez Kana par exemple, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, j'aurais mis elle, même si c'est pourri. Et... Tomomi, elle est un petit peu à la rue, par contre. Hein. Je l'ai pas encore utilisée. Elle est pas... Elle fit pas vraiment, là. Tu vois, à chaque fois, elle est comme ça. Allez, je m'en fous, je la mets. Et Fever, c'est parti, 25 secondes. On a 1 000 000 de plus. Et on lui a coupé l'herbe sous le pied. Mais elle va nous le faire quand même. Hein. En 20 secondes, elle va avoir le temps de remplir. Est-ce qu'on aura un oil baron? Tu vois, elle est remplie, là. À ne pas sortir de son contexte, comme d'habitude. Putain, c'est serré, mine de rien, là. Tididididoum. Tu vois, à part le premier club, où on a recommencé 3-4 fois, le championnat, le reste, ça va, hein, je veux dire. Non, pas une savate. Ouais. C'est pas trop mal, hein, je veux dire. Mais là, on est moins bien que tout à l'heure. Check. Allez, oui, pour 3 secondes, c'est vachement utile. Alors, est-ce qu'on va avoir un oil baron? Mais je pense qu'on en a pas besoin, on est à 8 millions quand même. Tut! Et c'est parti pour le oil baron! Je sais pas ce qui proc leur apparition, encore une fois. Peut-être faut avoir 5 millions de minimum. Et tu vois, il veut du skill! C'est pour ça que ça sert, hein, en bas à gauche, le truc. Lui, il veut qu'on soit élevé en skill. Et si t'as pas 500 minimum... Si t'as 380, bah tu peux pas le... Même si les autres sont à 600, tu peux pas le remplir, tu vois ce que je veux dire. Bon, écoute, on n'est pas dégueulasse, hein. Et on a gagné. Et large, hein, vraiment. Puit. Bon, au niveau max, ce Kana. Donc 40, c'est ça? Non, j'y crois pas, comment ils ont fait ça? Comment vous avez pu devenir aussi fort en si peu de temps? Je suis allé dans la salle de l'esprit et du temps. Mais on est d'accord que normalement, j'aurais plus besoin de faire ça, là. Et voilà Koyuki! Tiens, c'est une claque pour t'avoir... pour m'avoir capturé et séquestré. Des thugs. Désolé, c'est de ma faute. Je lui ai dit de pas le faire, mais... Tu m'as trahi. Ouais! Je sais reconnaître des bons managers quand j'en vois un. Je croyais pas que j'allais rouler pour toi, espèce de salaud. Oh, quoi? Majima! Incroyable, je m'en rappelais plus!
les amis Kao. Il est venu à Osaka. La retrouvaille avec Yuki et... Temé ! Et Yuda, c'est excellent. Je m'en rappelais plus ! Lord of the Night. Oui, il m'avait raconté, mais je pensais pas que c'était vrai. On avait besoin de vous pendant tout ce temps-là. Et oh, j'ai jamais dit que j'allais devenir manager d'un cabaret éternellement. J'ai pas que ça à foutre, moi. Il y a des gens qui risquent leur vie et tout ça. Faut voir au-delà de la lunette de mes couilles, là. Enfin, t'as compris. Il est venu me chercher. J'avais laissé mon numéro au cas où. Ouais. Un traître parmi vous. Toi, Kiryu. C'est un peu étrange. Et... Comment vous le savez? Pourquoi vous avez fait ça? Oh, désolé, je... C'est pas vous que je montrais. C'est lui le traître! Il fait le clown, mais... Ah, putain, ça aussi, c'est inattendu, putain. Le présentateur qui est un traître. Vous ne mourrez jamais! Je vais l'attraper, vous inquiétez pas. Je vais courir en costume, et voilà Kirara. Et honnêtement... C'est assez inattendu, quand même, comme truc. Allez, on marche lentement vers la sortie pour que... Et tout le monde nous regarde partir bêtement. Bon, c'est fini, ces conneries, je peux sortir. J'aime pas quand il y a de l'agitation. Oh, bien, bravo. Mais normalement, il reste encore un truc. Hein. Ah, ben voilà. L'autre... elle. Donc, je vais inclure Yua dans le roster, hein, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais remettre Koyuki, donc c'est deux pour le prix d'une, hein, tu vois. Les mangas. Oui, elle est intéressée dans les mangas. Elle en dessine, elle aussi. Et c'est costaud. Je veux de l'inspiration. On lui avait raconté notre histoire avec Nishiki. L'amitié entre deux hommes, et ça l'a inspiré. Elle veut le faire une histoire sur ça. Mais soyez pas trop proche de la réalité, sinon ça va chier. Et oui, on lui a proposé de s'inscrire à un concours de nouveaux talents, tu vois. Comme il y a beaucoup au Japon, tout ça. Ben c'est pas le concours... le prix Osamu Tezuka. C'est ça qui récompense les nouveaux artistes, non? Nani? J'ai un éditeur, c'est incroyable! Ils ont été impressionnés. C'est grâce à vous, monsieur Kiryu. Et je suppose que ça va pas se passer comme prévu, comme d'habitude. À chaque fois, dans les quêtes annexes, il faut intégrer un combat à un moment ou à un autre. Je vous avais pas dit de venir accompagner. My bodyguard. Très bien, venez ici. Je vous demande, je veux bien vous paraître dans mon... Vous publier dans mon magazine qui est lu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Mais il y a une petite condition que seul vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que... Des crop of entries. Augmenter la barre. C'est-à-dire que... Vous devez coucher sur papier... ce qui vous intéresse le plus. Mais c'est très gênant. J'y ai pas réfléchi. C'est ça le thème de la... des mangas d'aujourd'hui. Pourquoi pas moi? What about me? Normalement, c'est ça. Hein. C'est un peu égocentrique, mais... comment vous savez, j'y pensais justement. Non, c'était pour rire. Elle est tous très sède. Ah ben, c'était pas ça. A pet for shine. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein? Mais j'ai pas dit qu'il fallait rentrer.
J'ai dit qu'il fallait dessiner Forshine, c'est quoi ces conneries? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Le pète! Laissez-moi passer! Ah, énorme! Putain, comment elle s'est vautrée! Désolé, c'est de ma faute! Cette collision. Les boobs ont amorti le choc. Les airbags, ça c'est énorme. Oh, le gâteau! Charlotte aux fraises! Tout le monde aime bien Charlotte. Et du saké! Elle s'est trompée, elle a acheté que de la merde. Belge! On confondu le sel et le sucre, comme d'habitude. Aïka est désespérée. C'est n'importe quoi. Ouais! J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt! C'est ça que je veux dessiner! Ah bon? Mais je croyais que... Oui, parce que Eupette, ça me semblait bizarre, hein. On n'en a jamais parlé avec elle, donc... Et le rendez-vous au Stilge, au bar, tu sais, t'en as deux au sushi. Normalement, c'est les deux premiers, et le troisième à Stilge, comme Aïka, par exemple, c'était le cas. Mais elle, non. C'était Stilge en deuxième, bizarrement. Sushi Zanmai. Ouais, c'est ce que je pensais. Je l'ai toujours su. C'est assez drôle, quand même. Ça m'inspire une histoire. L'angoisse de la page blanche. Donc honnêtement, c'est bien. On a deux nouvelles hôtesses, du coup, pour le coup. Mais, et donc, il reste plus que elle. Il faudra faire les trois dates avec elle. Plus besoin d'acheter des bâtiments ni rien. Et les trois dates avec la dernière. Parce que c'est sûr que c'est elle, hein, je me suis spoilé de ouf. Alors, c'est bien, mais... Comment on fait pour proc la suite, là? C'est quoi, ça? Defeat Dandy et Wait for the Result Something Important? Comment ça? Ah, on n'a pas fini encore, le... On n'a pas fini, hein, sa quête. Faut attendre les résultats. Faut chier avec ça, là. Comment ça, faut attendre les résultats? Parce que là, on aurait plus dit une quête de fin, si on aura une, c'est sûr, de Forshine, de ce mini-jeu, plutôt qu'une quête de Choco... Ah, voilà. Non, pas Choco-Tan, encore une fois. Parce que c'est Aïka qui est Tan. Tan Gross. Félicitations, ça s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. T'es famous. T'as plus besoin de venir ici, maintenant. La vie d'un mangaka, c'est très particulier. C'est en or, on va la fondre. Et oui, on a eu des news, Judge, ça me fait penser, on a eu des news sur Judgment. Bien, bravo. On a eu des news sur Judgment et... Mais comment on trigger la suite, là? Le dernier event avec l'autre con. À mon avis, c'est en parlant à Yuki, hein, fais voir. Ouais, il se passe un truc, bien joué. Majima est déjà parti, ça c'est énorme. Il va même pas nous aider. On va poursuivre Buono, j'ai toujours su que ce type était louche. Non, laissez-moi faire, je m'en occupe. Ah bah si, le v'là. Il s'est habillé en Buono. Ah, c'est énorme, putain, la classe. On voit pas la différence. On peut pas vous différencier l'un de l'autre. T'es plus vrai que nature. The copy is better than the original. Je le fais pour moi. Le grand prix. Je me doutais qu'il se passerait quelque chose. Ouais, c'est spécial, hein. Franchement. Il travaille 200 heures par semaine. C'est assez incroyable, je dois dire. J'aurais dû le savoir, c'est de ma faute. Je vais rendre mon tablier. J'aurais dû le voir venir. C'est ridicule. Donc encore une fois, même quand on aura fini cette quête, qui est la fin du mini-jeu, hein, ça là, ce qu'on voit maintenant, on va faire le combat contre l'autre con là, je crois, et une autre fille va nous rejoindre. On se demande qui.
Et après, c'est fini, hein, je veux dire, Forshine. Mais il faut qu'on continue de monter le level des hôtesses pour les deux dernières, hein, pour Yua. Et, hein, comment ça, seulement 39 ? Elle était hôtesse à 19 ? C'est possible, hein. Eh ben, ne parlons pas de ça, c'est compris. Elle a pas ses oreilles de lapin, comment ça se fait ? Koyuki. Eh bien, d'accord. Mais évitons de parler de ma taille à l'avenir. Donc ils sont partis, je sais pas où ils vont. Laissez-moi faire! Je vais mettre la main à la pâte! Oh! Incroyable. Elle est en mode hôtesse. Elle remet les mains dans le cambouis, c'est assez énorme. Que des stunning. Eh ben, je savais pas que tu cachais ça en toi, c'est incroyable. Si j'avais su. C'est assez énorme. Ouais, allons-y. Oh, Yuta. C'est Yuda, il reprend sa place là, et Yuki est redevenu en mode hôtesse. Mais on peut pas lui parler. C'est assez bizarre quand même. Voir si je sors et que je reviens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Yeah. Est-ce que... Je m'y attendais pas, tu sais quoi? Ah, pourquoi on doit faire ça là? Canap Tante, the final match! Championship! Oh! Ah ben il y en a un autre! Oh putain, 20 000 fans! Et c'est dispo de base, hein. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller acheter des League Champ. Sorry, Champ. Fais voir... Ah merde, mon équipe B est... Mon équipe A est de ouf, là. Oh... Non mais c'est naze, bordel. Pourquoi il n'y en a que 6, là? Pourquoi je peux changer le look que de ces 6, là, bordel de merde, là? Il y en a bien une 7ème, on vient de le voir. On vient juste de me le dire! Known as the National Hostess. Je vais pas me faire croire que... Ah ben là, voilà, Yuki. Diamond. Oh putain, les stats! Au niveau 1 seulement? Elles sont... Ouais, mais je peux pas la changer. 50 000 en salaire. Stressed. Elle a des stats de fou furieux, c'est incroyable. Si, si, mais tu vois bien, mais... Apparemment, elle a pas de quête. On peut pas aller manger au sushi avec elle, tout ça. Bon, bah écoute, faut que je vous laisse là. Attendez, attendez. Est-ce qu'on essaye Championship? On va se faire détruire, hein. Il faut que je vous laisse là, malheureusement. Parce que je vais faire une coupure. Je vais faire un match à n'importe quelle ligue, hein. La première, la millionnaire, n'importe, hein, avec mon équipe B. Et pour que les hôtesses de l'équipe A que je viens d'utiliser se soignent, retrouvent leurs conditions, retrouvent la forme. Parce que là, ils sont en bleu, vert, c'est ridicule, hein, je peux pas jouer avec ça. On va se faire rétamer, il faut qu'ils soient à fond. Donc c'est juste pour ça, hein. Il faut juste faire un match pour qu'elles se soignent. Et après, bah, je vous reprends et je vous montrerai Ça nous fait 3 nouvelles hôtesses quand même, hein, à qui je dois faire une place... Qui j'aurais viré, tout ça. Donc, on verra. Allez, à de suite pour la suite. Bon, nous voilà repartis. Alors là, on est parti pour y aller. On va le faire avec cette équipe, vous voyez. Même si on en a 2 qui sont niveau 1. Ça devrait aller, vu les stats. Je pense qu'on est loin d'être dégueulasse. On va essayer comme ça, hein. Si jamais ça va pas, bah écoute... On n'a pas de truc, hein. C'est lui qui fait les commentaires, maintenant. Ça, c'est énorme. Quand on fait les trucs. Ouais. Vous allez voir, ça se passera pas comme ça. Je vous laisserai pas me marcher dessus.
Je suis prête à tout pour y arriver. Je vais vous écraser sous mon talon. Donc honnêtement, c'est un peu la misère, je dois dire. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui, hein. Franchement, on est assez balèze. Je pense qu'on est suffisamment balèze pour y arriver. Même avec deux hôtesses qu'on n'a jamais utilisées niveau 1. C'est costaud. On a fait trop de chemin pour abandonner maintenant. Alors, fais voir. Ah, request L. Ben, ça commence déjà. Ah oui, ben, il l'a mis tout seul. Ça, j'ai pas compris, quand même. Il l'a chopé sans que je fasse rien. Alors, normalement, j'ai une équipe équilibrée. Hein. Soit je mets L, soit je mets ces deux-là. C'est un peu con, hein, de l'utiliser pour partie. Normalement, c'est mieux de l'utiliser pour talk, tu vois, vu qu'elle est encore mieux. Et un mec qui veut du funny, s'il faut. Mais non, mais c'est une blague, elle est à 567 000 avec le truc déjà rempli, là. Non, mais attends, c'est quoi, ça? Je peux pas en placer une. Les autres, ils se barrent, là. Mais elle est déjà à 1 million. Non, mais il y a un moment, faut peut-être arrêter la connerie, là, non? Ouais, sexy, il recherche, bah encore heureux. Non mais c'est une blague, regarde-moi ça, elle est encore en mode mes couilles là. On peut rien faire. Elle utilise le parti sans arrêt là. Non mais là elle va recommencer et ça va encore faire partir ces deux connards, c'est sûr que si on peut rien faire... Non mais c'est n'importe quoi la jauge là. Faut nous laisser un petit peu, sinon jamais on y arrivera hein. Yo, Kides! Jamais on pourra y arriver. C'est ridicule, cette jauge de merde, elle est déjà à 3 millions! C'est un peu débile, non? Parce que là, pour l'instant, on est bidon, hein. On dirait des amateurs. Hein. On dirait des débutants, on est complètement à chier. Alors, fais voir, Rich. Allo, Rich. On dirait qu'on est qu'avec des hôtesses bronze. Et elle est bientôt au niveau 3, ça c'est incroyable quand même. Parce que si elle utilise son truc niveau 3, elle va faire partir tout le monde. Hein, donc, bonne chance. Et elle est fatiguée as fuck, faudra m'expliquer pourquoi. Allez, je vais me mettre en mode mes couilles. Faut pas hésiter, hein, faut y aller. Eh ben, encore heureux. N'importe laquelle, ça suffira. Je mettrai elle. Non mais c'est une blague, 5 millions là. Faut qu'on déchire tout, hein. Faut qu'on soit au top du top. Allez, bien joué. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, mais 1 minute 30, on est qu'à 1 million. Mais ça, c'est parce qu'elle a fait partir les autres. Hein. Si elle l'avait pas fait, elle nous a coupé l'herbe sous le pied, empêché de faire ce qu'on voulait. Non mais c'est une blague là, par contre, là... C'est une putain de blague, le score, là. On est qu'à 1 million, tu te rends compte à quel point c'est pourri? On est qu'à 1 million 3! Elle est à plus de la moitié, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, là, encore? C'est quoi cette séquence de brin, là, putain? Non, mais 5 millions, quoi, oh. Mais là, ce qui va pas, c'est elle, hein, c'est son fever, hein, regardez, elle a fait partir tout le monde. On peut rien faire! C'est ça qui va pas, hein. C'est parce qu'on peut rien faire, on peut pas en placer une. C'est pas notre équipe et tout, hein. Là tu peux leveler pendant 10 ans. Je vois pas c'est quoi le... Ça changera rien, hein. Non mais jamais on pourra y arriver, c'est ridicule. Peut-être c'est aléatoire, hein, et que si je recommence... Ouais, bien. Non mais c'est ridicule, elle est à 7 millions. Faut arrêter, il y a un moment. Putain, comment on va faire là? Est-ce que c'est aléatoire? Et si je recommence, sans rien changer, ça va... Non mais là c'est débile, hein, franchement. C'est sûr que dans ces cas-là... Mais putain, pourquoi mes couilles là?
Pourquoi Smile est vert? Va te faire foutre. Non mais c'est ridicule, c'est bidon là, c'est quoi ces conneries? On est à 2 millions, tu te rends compte à quel point c'est à chier? On a fait 10 millions au prochain là. Au précédent. Par contre, il y a un moment... C'est quoi cette santé de merde là? Allez, ça y est, c'est parti, tout le monde se barre. Regarde, ils viennent de s'asseoir, ils se barrent déjà. C'est un peu à chier quand même hein, ce truc. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, là? Évidemment qu'on va se faire massacrer comme jamais, là. Elle va avoir 3 fois plus de score que nous, c'est bidon. Le baron, on l'aura pas, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? C'est quoi le délire, là? Qu'est-ce qui va pas, putain? Je vais pas y passer 3 plombes, là, putain! C'est bon, là, faut qu'on avance, merde! Oh là, quelle séquence de merde! Je me serais bien passé de ce dernier, parce que dans Yakuza 0, c'était pas comme ça, hein. Il y en avait que 4. Et il y avait juste un combat contre l'autre connard, et c'est bon. Putain, ils se sont sentis obligés de rajouter ça, là, ce truc, à la mort moelle-neuve, putain, mais quelle bande de débiles, bordel! Bah évidemment, quoi! Non, mais comment tu veux avoir... Regarde-moi ça, on avait que 12, 25. Comment tu veux gagner dans ces conditions? Dès le début, elle jarte tout le monde, là. Non, mais même tout le monde, même avec que des platiniums au niveau 40, on n'y arrivera jamais, c'est ridicule. Non, mais c'est bidon, faut arrêter, oh. Non, mais j'ai pas envie de passer des plombs, bah, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le... De toute façon, faut leveler les autres. Enfin, elle. Déjà, en l'occurrence, pour avoir sa quête. Mais si tu veux faire toutes les quêtes annexes et faire apparaître Amon, il faut la dernière hôtesse. Hein. Et pour ça, faut finir la dernière ligue, qui apparaît même pas ici, donc va te faire foutre. Hein. C'est un peu à chier, quand même. Ouais, Championship 1, 4 sur 5. Ouais, mort de rire, on a tout ça, on est capable d'avoir 10 millions et on perd, là. Yeah. Oui, j'ai recruté... il est où? Lui, là. Pendant que je jouais et que je... En off, et que je... J'ai ramassé un rouge bun. Un bun de couleur rouge, pour la force, qui était à côté de l'un des bâtiments que j'ai acheté, là. Et lui aussi, à l'avant-dernière... L'avant-dernier ligue, quand j'ai ramassé les trucs, là. Quand j'ai acheté les trucs, je l'ai vu, et puis je l'ai chopé. Tu vois, red bun. Et quoi d'autre? Steam at Bun. Putain, il y avait autre chose, mais je me rappelle plus. Des puddings. Oui, si on veut faire apparaître Amon, ben il faut... Il faut finir cette quête, hein, ce truc de brin. Mais là, je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi on n'y arrive pas. Comment vais-je pouvoir m'en sortir? Non mais 76 sur 76, c'est une blague. Comment il peut y en avoir autant, là? Il en manque 10. Alors ce truc, c'est le mécouille, le baseball, on va peut-être réessayer. Ça, c'est les Amon. Enfin, il y a 3 Amon. Et un Legendary Mekouille, je sais pas ce que c'est. Et 4 là. Ça c'est Yua, ça c'est Kirara, puisque c'est bien elle la dernière. L4 aime bien spoiler, ça c'est énorme. Parce que tu vois, ça c'est Shoko, Aika, etc. Ça c'est Yua, ça c'est Kirara. Et ces deux là, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Peut-être qu'il y a un truc avec Yuki et la dernière quête finale du Club Outest, parce que je sais qu'il y en a une. Mais encore faudrait-il... Ah, ça m'emmerde, putain, je veux qu'on avance, là. Pas que ça foutre de jouer en off pendant des heures. Ah, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait? On retente le baseball? Allez, je teste. Hein. C'est chiant parce qu'il faut retourner à Kamurocho, tout ça, mais... On va juste essayer de faire un petit peu le baseball. J'essaye 2 ou 3 fois. Si on n'y arrive pas, ça ira se faire foutre. Hein. Je reprendrai cette sauvegarde-là avant de retourner à Kamurocho. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu faire qu'une seule partie. Hein. C'est ridicule.
Mais si c'est le cas, tant pis, hein. De toute façon, je suis pas très motivé aujourd'hui. Le L4 préférerait avancer dans Projet X. C'est vrai que j'avancerais beaucoup mieux si je faisais pas les épreuves Yakuza, mais bon, c'est pas le but, hein, encore une fois. Le but, c'est pas d'être gavé et d'abandonner encore pendant 2 ans. Alors, fais voir. Faut faire un petit peu autre chose, hein, Jackie, on l'a dit. De toute façon, il faut encore que j'attende que mes cheveux repoussent de merde. Là, ça aussi, qu'est-ce que c'est bidon, putain, jusqu'à mi-octobre. Incroyable, hein, quand même. Oui, donc les news sur Judgment, j'avais dit. Mes couilles, là. Le Judge World. Judge Eyes. Enfin, bref, je sais plus, là. Lost Judgment. Qu'est-ce qu'on avait, Navé et Carotte, comme d'hab? Qu'est-ce qu'il y a eu comme news? Oui, cette histoire de polémique, là. Apparemment, contrairement au Yakuza. C'est un peu dommage, je dois dire. Contrairement à Yakuza, qui sont tous sortis sur PC, et ben apparemment, Judgment 1 et 2 ne seront jamais sur PC. On en parlait quand on affrontait Jingu, tu te rappelles, qui avait une histoire de partenariat avec Stadia, mais en fait, non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. C'est parce que l'agence qui emploie l'acteur du personnage principal, qui est hyper connu hein, au Japon, eh bien, quelle idée d'avoir pris lui aussi. Mais même si lui, il est bien, 100 km on foot. Lui, il est de notre côté, hein. Il veut que le jeu sorte sur un maximum de plateformes. L'acteur. Mais l'agence, ils veulent pas en entendre parler, hein. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on le transforme en God Miché, avec les mods. Qu'on lui fasse porter un chapeau en forme de tub ou je sais pas quoi. Si les modeurs étaient moins cons aussi, peut-être ça serait pas arrivé. Mais avec des gods partout dans... Ah, attention! Oh putain, la vache! C'est cette vitesse! Des gods partout dans Cyberpunk ou je sais pas quoi. Ok. Un peu trop tard. C'est pour ça que les jeux... Putain, c'est super dur, hein, vraiment. Je sais pas ce qu'ils ont fumé avec ce truc. C'est pour ça que les jeux Nintendo ne... Putain, et celle-là, hyper lente as fuck, c'est ridicule. C'est pour ça que les jeux Nintendo sont jamais sur PC. Ouais, ok. Celle-là, elle est super dure, hein. On va la placer en bon truc. Je vais essayer d'appuyer au moment où c'est jaune. Ouais, d'accord. C'est super dur, hein, vraiment. De pas être déstabilisé par la balle et tout ça. Ah, ben en voilà, hein, c'est pas trop tôt. Pff, 1 sur 5. Là, c'est déjà foutu. Hein. Je me rappelle que même à l'époque, j'avais eu toutes les peines du monde à... Je sais même pas si j'avais fini ce truc, hein. C'est possible que oui, mais... Là, c'est vraiment juste pour éviter de couper, hein, c'est bidon. C'est vraiment pour éviter de faire un cut, vu qu'il reste 15 minutes. Ah oui, c'est vrai qu'on perd 10 000 balles à chaque fois. Et donc, ils veulent pas, c'est une question d'image hein, de l'acteur. Ils ont juste donné leur accord pour que les développeurs fassent ce qu'ils veulent. Ah merde, c'est vrai qu'on est là. Fais voir Heureusement qu'il y a les autosaves hein, quand même. Voilà, ici, là. Yeah. Le dernier, je crois que c'est après la défaite, donc... Heureusement qu'il y a cette sauvegarde-là. Hein. Yeah. Et donc, honnêtement... Mais si on avait des meilleurs bats aussi, peut-être que ça irait mieux. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je fasse les ligues normales et tout, mais ça aussi, c'est cauchemardesque, ce pétage de cap, cette merde. Oh! Ouais, dommage. C'est bon, là? 1 sur 5? Non. Encore une fois, c'est vraiment bidon qu'il n'y a que les home runs. Bien! Qui te donne un point. Pouah, faut la toucher 5 fois, cette blague. Oh, putain, ce truc. Ça, il le fait qu'une fois, j'ai l'impression. Comme quoi, c'est pas si aléatoire que ça. Hein. Ah, merde. J'ai l'impression qu'il fait les mêmes coups que tout à l'heure, là, non? Yeah. Oh, putain! J'ai réussi à avoir le truc tourbillon. Non, mais il faut le toucher 5 fois, quelle blague. Oh! Et celle-là qui est super simple, t'y arrives pas, quoi. Attention. Ok, 3 sur 5, tu sais qu'on est pas mal, là. Si seulement on pouvait le réussir, ce truc de brin, ça m'enlèverait une épine du pied. Oh, dommage. J'ai pas le droit à l'erreur. Les 2 dernières, faut les avoir. Oh, putain. Mais non, tu peux pas te foirer comme ça. Pas toi! Oh, regarde-moi ça, 4 sur 5, mais putain. Mais non! Mais non! Tu peux pas faire ça! Oh là là!
Tu peux pas faire ça, bordel! Je veux bien perdre 2 sur 5, 3 sur 5, mais pas 4 sur 5, va te faire foutre! On y était presque, vraiment. On y était presque. Il nous en manquait une, c'était totalement à notre portée. Mais le problème, c'est que c'est aléatoire. Là, tu vois, il reste 14 minutes. Je peux très bien faire que de la merde pendant 14 minutes. Hein. Là, on peut réessayer 5 fois, même 10 fois, et je peux très bien faire que des 2 sur 5, 3 sur 5. Hein. C'est rare d'être à 4. Donc voilà. Ah, je sais pas s'il faudrait les autres battre. Mais les autres aussi, c'est super dur, donc voilà. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? C'est une question d'habitude. Bon, ça! Ok! Ça commence bien, là. Mais c'est con que ça rapporte que 1 sur 5 à chaque fois, et qu'il y a que les home runs qui donnent... Ok. Qui donnent des points. Allez, maintenant, on va chercher. Ouais, ouais, je m'en doutais qu'il allait faire ça. Donc, ce seraient les mêmes, en fait. Oh, merde. Donc oui, c'est une question de l'agence responsable. Bien, 2 sur 5. Pour l'instant, ça peut être possible encore. Il faut que je mémorise les balles, là. Oh merde. Si c'est vraiment les mêmes. Qu'elles arrivent au même moment. Ok, 3 sur 5. C'est quoi les 3 dernières, là? Je crois qu'il y a un tourbillon, mais je sais plus c'est quand. Oh! Dommage. Oh putain, il faut que j'en touche 2 encore, j'ai plus le droit à l'erreur. C'est quoi les 2 dernières? Oh! Non, mais c'était pas ça tout à l'heure. C'est bien aléatoire. Hein. Oh putain, 4 sur 5 encore, mais tu. Mais c'est fait exprès, c'est le dieu des Yakuza qui nous casse les couilles là, c'est incroyable. Oh! Tu vas pas me dire que c'est normal, franchement. Miracle Johnson! On aurait dû réussir, hein. Je suis pas d'accord. Hein. Je m'en fous, je m'énerve. Je m'énerverai pas, j'ai dit. Oui, donc c'est pour ça. C'est juste eux hein, qui cassent les couilles. Ils sont hyper sévères avec ça. Hyper pointilleux. Et c'est dommage parce que... Du coup, ben, on les fera peut-être. Mais priorité au Yakuza. Quand on aura fini Yakuza 7, s'il faut. On les fera peut-être, mais ce sera sur PS4, du coup. Pas le choix, hein. En 30 FPS, avec une autre méthode de... Bien ! De capture. Ce sera un peu moins bien que là, si vous voulez, mais... Ah, mais c'est quoi ça? J'aurais dû l'avoir. Yosh! Ah, merde, j'avais oublié ce truc. Ça, dès qu'il lance, faut appuyer, hein, limite. Mais c'est une blague! C'est vraiment à la centième de seconde près. Mais, et oh, c'est quoi ça? Ouais, j'ai tapé à côté. C'est pas le timing, c'est... J'ai tapé à côté du rond, là. Ah, merde. Là, j'étais bon, mais le timing était pourri. Bon, là, autant dire que 4, hein. Bah, c'est fini. Tu vois, si les singles s'étaient pris en compte... Tu vois ça, là? Les singles, les doubles, les 2 bases, 3 bases... si c'était pris en compte, et pas seulement les home runs, on aurait déjà passé ce truc, hein. On aurait déjà réussi. Ok, bien joué. Non, vraiment, c'est difficile. Ça aussi, ça va nous faire chier. Mais je me demande, c'est quoi le pire, pour le coup? Est-ce que c'est cette quête-là? Qui est hard as fuck. Vraiment, alors que tout le reste du jeu, c'est simple, quoi, limite. Enfin, sauf quand tu t'appelles L4 et que tu fais des no item challenge. Mais... Non, mais cette quête-là, elle est vraiment hard as fuck, hein. C'est incroyable. C'est hyper dur, vraiment. Je me demande, c'est quoi le pire entre ça et le dernier truc des hôtesses, là? Ça aussi, je m'en serais bien passé, hein, je dois dire. Oui, donc, voilà, ben, on le fera sur PS4 en mode plus lent. Bien. Et en mode... Le premier, j'y arrive pas trop mal, faut croire. Ok, c'est quoi ce bordel? Ça se joue à peu de choses. Hein. Attention à celle-là. Oh, ben, je l'ai eu, mais... ouais. Première fois que j'arrive à la toucher, mais bon, attention. Mais putain, oh! Strike! Balle courbe. Ok, pas mal. Retiens-toi, laisse filer. Je t'avais dit de laisser filer! Ok, 3 sur 5. Et on commence à prendre du skill, là. C'est quoi? Je crois que j'ai bien fait de venir ici. Attention à celle-là. Oh putain, 4 sur 5! Si t'y arrives pas, t'es vraiment un crétin de première. Hein. Ça! Ok, c'est quoi ça?
Depuis quand il fait des balles comme ça, là? Attention. Oh merde, non, 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 tu peux pas foirer maintenant, pas toi! C'est quoi la dernière déjà? Oh! Yasha! Yes! On a réussi. Eh ben voilà. Comme quoi... Oh! Comment vous avez fait ça, espèce de tricheur? Ta gueule! Il y a des témoins. J'ai réussi. Bien, un side netball. Et c'est pas évident parce que... Ça franchement, c'est une épine du pied. On a enfin réussi, ça c'est énorme. Oui, bien sûr, mais soyez pas trop pressés. Et voilà. Oh bon ben, on retourne aux mes couilles, hein, si tu veux que je te dise. Celle-là, c'était pas évident, vraiment. Si vous devez ne jamais voir Amon dans Kiwami 2, s'il doit y avoir quelque chose qui vous bloque de jamais voir Amon dans ce jeu, c'est clairement cette quête-là, hein, ou peut-être le... mes couilles. Allez, on retourne à Sutenbori. 35 millions, quand même. Hein. Ça rapporte deux ouf, hein, le... C'est con, on en a pas l'utilité, mais bon. Donc oui, on fera l'épreuve sur PS4, hein, si tu veux que je te dise. C'est un peu dommage, mais... De toute façon, on n'y est pas encore. Hein. Le but, c'est de d'abord terminer Kiwami 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire maintenant. J'aurais dû vous le demander maintenant, mais bon, plutôt. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la fameuse épreuve que je vous avais parlé, qui n'a rien à voir avec Yakuza, pour changer un petit peu, qui n'est pas sur un Yakuza, au risque que ça vous intéresse pas. Enfin, certains, je me fais pas d'illusions. Je me fais pas de... Je sais que ça va vous intéresser, c'est emblématique, tout ça. On doit le faire depuis des années, c'est un truc de fou. Et on le fera enfin. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse après Yakuza Kiwami 2, ou après Yakuza 3, comme c'était prévu au départ? Oui, c'est celui-là. Ou est-ce que, au contraire, vous voulez qu'on continue... Enfin bref, vous avez compris. Après le 2 ou après le 3. C'est-à-dire après celle-là, là, dans 5 ou 6 parties, quand on l'aura fini, si tout va bien. Ou on fait d'abord Yakuza 3 avant de faire... entre les deux, tu sais. Ça fera entre... On en aura fait 4, et il nous en restera 4 à faire. Sans compter Judgment, encore une fois. Donc ah, putain, ça par contre, ça me casse les couilles. Hein. T'es sûr que j'ai rien d'autre à faire, là? Il reste 7 minutes, j'ai pas envie de faire une coupure, bordel. Mais de toute façon, autant la faire maintenant, hein. Fujinami! Yeah. Bon, ben, je suis obligé de vous cut. C'est relou, mais bon. Ouais, n'hésitez pas à me dire maintenant, hein. Faut que je le sache à l'avance, hein. Parce qu'il faut, avant de commencer à envoyer une épreuve, il faut que j'ai tourné au moins une dizaine de parties, vous voyez. Donc voilà. Est-ce que vous préférez que ce soit après Yakuza Kiwami 2, celle-là, donc après avoir fait 3 épreuves sur Yakuza, ou est-ce que vous préférez que ce soit comme c'était au début, comme j'avais dit au début, comme je voulais le faire moi, mais je sais pas ce sera quand pour le coup, après le 3, après Yakuza 3. Je vous avoue que j'ai bien envie de retourner sur Yakuza 3 quand même, vu que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. C'est celui auquel j'ai joué en dernier, hein, je veux dire. J'y ai pas joué depuis des années. Kiwami 2, ça fait 2 ans, admettons. Yakuza 3, ça fait 7 ans que j'y ai pas joué, admettons. Je dis ça au pif, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et ça sera de retour à l'ancienne jouabilité, tout ça. Que, ben, il semblerait, je connais pas mal, hein. On manquerait plus que je galère à donf. Parce que c'est assez oldies, hein, quand même. C'est le plus vieil épisode de la série. Vu que Kiwami 1 et Kiwami 2 sont sortis bien d'après, c'est les remakes. Normalement, c'est le 1 et le 2 sur PS2, mais là, du coup, c'est le 3 le plus vieillot. Et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu PS2. Mais bon, je vous en reparlerai plus tard. Bon, bah écoutez, putain, il reste 5 minutes, ça fait chier, putain. Allez, bah faut bien le faire, de toute façon. Si c'est pas maintenant, ce sera la prochaine partie, donc. Bon, écoutez, je vous coupe, et on se retrouve pour voir si j'aurai progressé pour les 5 dernières minutes. Allez, à de suite. Bon, nous voilà repartis. On va finir avec ça. On va faire la quête de Yua, vous voyez. C'est les paparazzi.
Ils ont pris des photos sans son autorisation, apparemment. Donc, encore une histoire d'utilisation d'images, vous voyez, ça rejoint ce qu'on avait dit la dernière fois. On va finir avec ça, hein, je pense, je m'en doutais un petit peu. Bah écoutez, ça a pas l'air mal, hein, y en a certains qui sont déjà niveau 30, niveau 40. Hein ? Nani ? Si, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, c'est sûr. Vous faites que me donner encore plus de soucis, c'est malin. Elle mange des ramen tous les jours, c'est assez énorme. Le lundi, c'est soupe miso, le mardi, c'est sauce soja, etc. C'est énorme. Le vla, il est là. Il faut le choper. Des paparazzi. Ils sont prêts à tout. Toi. Je fais que mon métier. Un paparazzo. Salaud. Puisque c'est comme ça, vous allez voir ce que je vous réserve. Voyez, c'est qui à votre avis? C'est ta voix. Hein? Mais... Écoutez, j'en ai un autre. Des voix. Les gens vont apprécier apprendre ça. L'idole number one qui sort avec son manager. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai un scoop. Et je vais t'écraser comme une mouche. Ouais. Ouais, honnêtement, on est pas trop mal, je dirais. Ouais. On n'est pas dégueulasse. Mais pour l'instant, c'est pas les combats qui nous posent problème. Hein. Mais tu vois, on a presque fini. Hein. Faut juste terminer ce... Tiens, je te donne les photos. C'est très intéressant, tu verras. Donc oui, honnêtement... on s'en est pas trop mal sorti, je dois dire. On n'est pas dégueulasse. Mais oui, c'est bien d'avoir passé le baseball. Vraiment, c'était... C'est une bonne étape de passer. C'est une bonne chose de faite. Moi aussi, je vais le garder. Je vais l'écouter avant de m'endormir. Tu vois? C'était moins compliqué que celle de Choco. Alors, il y a un aspect que j'ai peut-être négligé. Beluga. Caviar. C'est-à-dire... à 630. Est-ce que je peux... c'est peut-être un peu tard, mais bon. Vraiment, ça vaut pas le coup hein, de le prendre maintenant. Ouais, comme par hasard, je peux le prendre. Hein. Ça, là, ça vaut pas le coup, bordel. Ils sont presque tous... je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai pas l'impression de voir des significations... Tu vois, j'ai pris elle parce que... faudra en virer trois autres, là. Je prends pas celles qui sont niveau max, vous voyez. Je veux que Yuki et les autres soient niveau 40. Et les autres, c'est pour le fun, hein. Miki, niveau 30, est-ce qu'on en aura vraiment l'utilité? Tu vois, je fais ça, j'enlève les niveaux max. Et là, je prends que celles qui... Tu vois, elle, par exemple. Je fais ça, celles qui sont pas niveau max, pour voir si je les prendrai, on sait jamais, hein. Si elles sont balèzes. Et donc voilà, et je fais ça jusqu'à ce que... Surtout Yuki, j'aimerais l'augmenter de ouf. Mais il y a un truc que j'ai peut-être négligé, j'ai vu ça sur internet, je me suis renseigné sur comment passer. J'ai tapé Yakuza 2, Kiwami 2, Last Match, parce que c'est ça, là, le championship. Il y a un aspect que j'ai peut-être un peu négligé, c'est le... Ça, là. Vous voyez? Donc ici, c'est Kirara, hein, je suppose. Je vais vous montrer les hostess list, regardez. Vous voyez en bas là? Ah ben non, elles y sont toujours. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est parce que je pense que c'est parce que je les ai dans mon roster. Hein. La dernière fois, j'avais regardé, c'était ces deux-là hein, qui étaient dernières. Donc oui, ces deux-là, en fait, on les a. Hein. Mais c'est parce que je les ai dans mon roster, c'est pour ça qu'elles apparaissent pas ici. Quoique. Bah si, Yuki, je l'ai, elle est là. Putain, mais c'est quoi ce bordel là? Non mais c'est une blague. Putain, mais tout à l'heure, c'était pas comme ça. Mais maintenant, il y en a deux autres qui manquent là. Ça, c'est Kirara. Et c'est qui, ces deux-là? Putain, mais what the fuck, quoi. C'est très étrange. Enfin, bref, l'aspect que j'ai peut-être négligé, c'est ça, hein, vous voyez. Il y a un mec qui disait... il faut que toutes tes hôtesses, tu dois changer leur...
leurs vêtements pour qu'elles aient 3 rangs S dans, dans le, sur 4. Voilà. Tu vois, là, Yuko Yuki, elle est pas trop mal, là. Tu vois, en plus d'avoir sexy et funny, faudrait qu'elle ait cute aussi, même si elle est rang D en élégant. Même si ça existe pas, je crois que c'est C le plus pourri. Au lieu d'avoir B partout, le mieux, c'est d'avoir 3 S et un C. Et de les varier, hein. Elle, ce serait 3 S dans les 3 premiers, elle... Pourquoi pas, hein. On n'avait pas eu besoin de le faire dans dans Yakuza 0, mais je pense qu'on va être obligé de le faire. Mais je vais continuer un petit peu de level up, j'ai l'impression qu'on est pas trop mal, là. On est... Même si on a fini les quêtes, il ne restera plus que Kirara, et elle n'est pas encore là, donc je peux pas la voir. Là, on va continuer, ce sera juste pour level up. Tant pis, j'achète pas le dernier level up, va te faire foutre, hein. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on y arrive. Et écoutez, on continuera la prochaine partie. Je vous reprendrai quand toutes mes hôtesses seront niveau 40, 50 ou je sais pas quoi. Et j'aurai changé leur look, vraisemblablement. C'est con qu'on puisse pas le faire avec Yuki, quand même. On verra bien ce que ça donne à la prochaine partie. Mais là, c'est déjà bien ce qu'on a fait. On a bien avancé. On a passé le baseball, tout ça. Donc on verra bien ce que ça nous réserve la prochaine partie. Allez, à plus !